Seigneur, pour adorer le beau nom de Jésus. Merci d'être là. Et vous savez, il se passe toujours de. de, de mais pas toujours, parce que c'est comme si on le prend pour acquis, mais Dieu, Dieu est bon envers notre Église. Je pourrais nommer plein de témoignages, mais vendredi, c'était le lancement, c'était la rentrée pour nos ministères jeunesse, donc cadeaux et jeunes adultes. Il y avait seulement 500 jeunes dans l'Église vendredi soir. Ouais. Seulement. Si je pense, que ça mérite un vrai gloire à Jésus. Vous savez, des fois, les gens disent :« Comment ça va au Portail Ça va mieux qu'on le mérite. <laughs> » œuvre de grâce. Mettons une série de trois messages justement sur l'ADN de l'Église de Portail. Souvent, à la rentrée, c'est une occasion où plusieurs personnes, on revient à la maison des transitions d'Église et on, on va aborder des choses très précises, concrètes de la vie de l'Église. Et le titre de la série, c'est « catalyseur ». Un catalyseur, c'est un, un élément qui provoque un mouvement par sa simple présence. Et on croit que c'est la bonne définition d'un chrétien. On croit que, par exemple, dans le culte du dimanche, simplement par ta présence, tu peux provoquer quelque chose. Et alors qu'on parle de provoquer, on croit que quand quelqu'un est né de nouveau et est baigné dans l'Église locale, on croit qu'il se produit toujours quelque chose. Mon, mon jouet préféré lorsque j'étais enfant, pas très longtemps, euh, mais vraiment mon jouet préféré, c'était, vous savez, les, les, les petits jouets en plastique que tu mets dans le bain et qui vont grandir. Je raffolais de ces joies-là. Pour moi, c'était de la magie. Je voyais ça, je me disais, Et on croit que lorsque tu prends quelqu'un et que tu le mets dans l'Église par l'action du Saint-Esprit, on croit que tu vas grandir. Donc, le but de l'Église locale, c'est trois choses. C'est l'adoration de Dieu, c'est l'édification des croyants et c'est l'évangélisation du monde. C'est trois messages sur Colossiens 3, 16 et 17. Et on a vu la semaine, prochaine, la semaine passée l'adoration que nous voulons au portail, la louange que nous voulons au portail. Ce matin, j'ai parlé de l'édification, comment est-ce qu'on bâtit concrètement l'Église. Et la semaine prochaine, je vais parler de est, comment on veut développer l'Église, quelle est la prochaine étape, ça, la mission. Et la première chose que j'aimerais parler, que j'aimerais dire ce matin, c'est après avoir dit la louange que nous voulons au portail, j'aimerais parler des membres que nous voulons au portail. Et sans plus tarder, Colossiens 3, verset 16 à 17. Voici ce que dit la parole de Dieu que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement toute sagesse. Et la semaine dernière, on a vu. Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Quand on parle des membres que nous voulons au portail, euh, en fait, ce qu'on veut dire, c'est pas que on veut juste un certain type de personne, c'est que on croit qu'un chrétien né de nouveau, qui est rattaché à l'Église locale, on croit qu'il y a un fruit dans sa vie. Et dans mes notes, c'était écrit, les gens disent Amen. Amen. Membre veut dire qu'il y a une unité. Alors que nous sommes différents, nous sommes unis par notre foi en Jésus. Amen. Donc, un membre d'Église, c'est-à-dire qu'il y a une unité, il y a une interdépendance, c'est-à-dire j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, nous avons besoin des uns des autres. Dis à quelqu'un à côté de toi, j'ai besoin de toi. Et pour ne pas rendre la personne de l'autre côté jalouse, retourne-toi et dis j'ai besoin de toi aussi. Et si nous sommes membres d'un seul corps, il y a une unité, il y a une interdépendance, il y a une responsabilité. Et c'est ce que j'aimerais parler ce matin. Vous savez, une grande église avec une grande vision, nous prêchons un grand Jésus. Vous savez, et il y a des grands besoins. C'est-à-dire ce matin au portail, un petit peu partout, c'est j'ai déjà mentionné, c'est 2000 personnes, c'est quatre sites, c'est des services. Est-ce que tu sais combien ça prend de bénévoles à Laval ce matin là pour une réunion comme celle-ci Au moins 75 bénévoles. 75 bénévoles. L'accueil, simplement l'accueil, c'est 25 bénévoles pour s'occuper des enfants, 250 enfants par dimanche matin, c'est 25 bénévoles. Euh, L'équipe de louanges, un petit peu partout à droite et à gauche si tu regardes, même il y a des choses qu'on voit moins, des collations. C'est minimum 75 bénévoles. Donc je veux préciser, c'est des gens qu'on ne paie pas. <laughs> les comptables disent amen. Euh, les bénévoles disent pourquoi, pourquoi, pourquoi. Euh, en fait, ce matin, je vais être hyper concret. Est-ce que tu sais par dimanche, par semaine, un dimanche matin au portail, là, combien ça coûte Pour rester ouvert, vous, ce matin, combien ça coûte 27,99. <laughs> 40 000 dollars par dimanche. 40 000 Quand tu regardes les bâtiments, tout ça, l'électricité, tu regardes tous les roulements, ça va du papier hygiénique, ça va à tout ce qui prend en place, euh, les services, les salaires, c'est par dimanche, c'est 40 000 Donc, on regarde une Église avec de grands besoins, une grande vision, un grand Jésus. Et je veux juste d'emblée dire que je suis reconnaissant parce que il y a une minorité de gens ici qui font vraiment, vraiment rouler cette Église et je veux dire merci. Quand on parle de catalyseur, vous savez, il y a des gens ici, tués es un catalyseur. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la loi de... Oui, on peut applaudir. <applause> c'est correct de m'arrêter pour rendre grâce, pour être reconnaissant des fois. Moi, je suis parti, là. Euh, Est-ce que tu as déjà entendu parler de la loi de Pareto? La loi de Pareto, on peut l'appliquer à différents domaines, mais au niveau de la sociologie, ça dit que dans une organisation, il y a 20 des gens qui font 80 du travail. Donc, Et c'est vrai au portail. Au portail, je suis reconnaissant, il y a 20 des gens... Donc, on parle sur 2000 personnes, c'est 400 personnes qui font 80 de l'implication, qui donnent 80 du budget. Donc, c'est seulement 20 des gens qui font 80 du boulot. On devrait dire merci Seigneur pour ces 20 mais ce matin, je veux prêcher où à l'autre 80 Et le peuple de Dieu dit Aïe, aïe. Maintenant, je ne le fais pas parce que ça va mal, je ne le fais pas parce qu'on a des besoins. Vous savez, des fois les pasteurs, on dirait que quand il y a un problème financier, on l'onction et l'urgence de... Non, je, je le fais parce que la parole de Dieu l'enseigne, on le voit ici. Et je constate que des gens, tu es ici, tu regardes le portail, une grande église, puis ça roule, et tu as l'impression que tu peux être la cinquième roue du carrosse. Tu sais quoi, la cinquième roue du carrosse? C'est la personne inutile. Tu dis, il y a tellement de monde au niveau du, des besoins, au niveau du bénévolat, des services. Il va y avoir du monde, quelqu'un d'autre va le faire, au niveau des, des finances, dans différents, même la prière. Et peut-être que tu as l'impression d'être la cinquième roue du carrosse. Et je veux juste te démontrer que ce n'est pas le cas. Euh, encore une fois, alors que le Seigneur a de grandes choses, on a besoin de tout le monde. Et ce matin, au portail, vous savez, on ne croit pas que ça marche, la manipulation écoute, ça fait 15 ans que je suis ici, j'ai prêché au-delà de 1000 prédications au portail, écoute mes prédications par la grâce de Dieu, tu vas réaliser que nous ne sommes pas, nous ne croyons pas que la manipulation fait bouger les gens. On pense que le chrétien, on pense toujours que la motivation est plus puissante que la manipulation. Et ce que je veux, c'est pas te faire sentir coupable, on ne croit pas ce qui fait avancer ta culpabilité, mais c'est simplement la proclamation de la vérité. Et c'est ce qu'on va voir, et regarde dans la parole de Dieu, on a lu le texte, vous savez, il y a une belle sandwich. Je vais te donner un autre truc. Quand ton patron te fait venir dans son bureau pour aborder un sujet difficile, il va te faire la sandwich. Tu sais, c'est quoi la sandwich? Des fois, les femmes font ça avec leur mari. C'est que tu veux, as un sujet difficile à faire passer. Tu vas commencer par un compliment, quelque chose de positif. Tu vas passer la viande qui est dure à avaler et tu finis avec quelque chose de positif. Et l'apôtre Paul fait un peu la même chose, c'est-à-dire, alors qu'il parle du rôle du croyant dans l'Église locale, regarde, tout juste avant le verset 16, qu'est-ce qu'on a? On a la première tranche de pain. Soyez reconnaissants. Maintenant, on a le, la viande, la viande. Et comment ça se termine, la deuxième tranche de pain? En rendant grâce par lui à Dieu le Père. Les membres que nous voulons au portail, c'est des membres non pas qui donnent et qui servent par culpabilité, mais qui le font par reconnaissance parce que Dieu est bon envers nous. Amen. Et si tu es au portail depuis quelque temps, oui, acclamons le Dieu qui est généreux envers nous. <applause> si tu es au portail depuis quelque temps, tu m'as déjà entendu le dire, mais, mais ça illustre bien euh, cette histoire qui, qui, qui nous fait comprendre qu'est-ce que la Bible veut nous dire. Euh, vous savez, il y a un homme, deux, deux voisins qui sont en chicane, puis il euh, y en a un qui vient voir l'autre, puis à un moment donné, il lui donne la poubelle. Tu te rappelles de cette histoire-là? Là? Il donne la poubelle avec les ordures. Qui s'en rappelle? OK? Fais comme si c'est la première fois que tu l'entends. OK? donne une poubelle avec des ordures. <laughs> Tiens, tu veut être mesquin. Puis l'autre, c'est un chrétien, puis il reçoit ça, puis il dit, oh, OK. Il vide les déchets, nettoie la poubelle, met des fleurs dedans, va voir son, son voisin, puis lui donne la poubelle avec des fleurs. L'autre le regarde et dit, Pourquoi tu fais ça? Moi, je t'ai donné des ordures, toi, tu me donnes des fleurs. Le chrétien de répondre, chacun donne à l'autre ce qu'il a dans son cœur. Ça vaut la peine d'entendre la même histoire trois, quatre fois, des fois. Nous voulons des gens qui font les choses par reconnaissance, pas par obligation. Amen. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Elle commence en disant de s'instruire et de s'avertir en toute sagesse. Et si tu as ta Bible, tu peux aller dans Colossiens 38. L'apôtre Paul reprend la même expression, les trois mêmes mots, avertir, instruire en toute sagesse, en disant dont le but, c'est de rendre toute personne complète en Jésus. Vous savez, si on avait un symbole pour définir la vie chrétienne, vous savez, le premier symbole des chrétiens, c'était le poisson. Hein, parce que le poisson, c'est tous, puis c'est un acronyme qui voulait dire Jésus, Fils du Dieu Sauveur. Après, c'est devenu la croix. Pour moi, si j'avais un symbole à choisir pour toi, pour nous, en 2023, ça serait un cône orange. <laughs> chaque chrétien est en chantier, chaque chrétien est en construction. Le travail n'est pas fini. Amen. Et c'est pourquoi qu'on a besoin des autres. La Bible dit instruisez-vous et avertissez-vous. Il y a toujours deux côtés dans la formation disciple. Quelquefois, on doit se faire instruire, ça c'est le fun, okay, c'est positif, mais quelquefois, on doit se faire avertir. C'est ah, « Mais c'est aussi nécessaire. Amen. C'est comme si tu veux, te faire, tu, veux, tu veux te mettre en forme, tu vas voir un coach, il va t'instruire dans les exercices que tu dois faire, mais il va t'avertir, arrête de manger de la poutine. Maintenant, le chrétien, on a besoin des uns des autres pour nous instruire. Quelle est la bonne nouvelle de la grâce et pour nous avertir, alors que quelquefois, il y a des péchés dans nos vies qu'on ne voit pas. Tu ne peux pas ajouter Jésus dans ta vie sans soustraire le péché. Et on a besoin des uns et des autres. La Bible dit Instruisez-vous et avertissez-vous en demandant au pasteur de faire le travail à votre place. Non, c'est pas ça. C'est quoi le mot qui est écrit? Réciproquement. Regarde la personne à côté de toi, puis dis-lui, je pense qu'il te parle. Réciproquement, sinon, ça veut dire que tu as une responsabilité. Ça veut dire que toi, et là je parle aux membres, membres du portail, chrétiens engagés, qui aiment Jésus, tu as la responsabilité d'instruire et d'avertir tes frères. Et tu dois avoir l'humilité de laisser les autres t'instruire et t'avertir. Lorsque j'ai commencé à fréquenter mon épouse à m'emmener dans un restaurant libanais, moi, moi j'ai un milieu défavorisé, puis je dis, mais... Pour moi, là, à part le pâté chinois et les hot-dogs, il n'y a pas grand-chose qui existait. Okay? Puis j'arrive, puis elle me dit... Euh, puis là, je vois, puis elle me dit « Ah, prends de la taboulé. »« Pourquoi ça, de la taboulée. Et là, elle m'a instruit. « Ah, taboulé, c'est un mets d'origine italienne avec du couscous, tu du persil. » Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? « Ah! »« des italiens. Merci, merci de m'avertir. Voilà, merci. Je vous ai instruit m'avertir. Voilà. » Libanais, évidemment. <laughs> Alors que l'équipe de Louange vient me rejoindre... Euh, <laughs> du matin. Donc, c'est un mail libanais. Donc, avec, essentiellement, du persil, jus de citron, un peu de tomate, donc, un peu de menthe. Puis moi, il se truit. OK. Et en tant que critique, quelquefois, vous savez, il y a des gens qui sont ici dimanche matin, puis ils, le, ils nous entendent parler de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Mais ils ont besoin de gens qui prennent le temps de décortiquer les vérités de la parole de Dieu. Et de la même manière... Vous savez, lorsqu'on mange du persil, quelquefois ça reste pris entre les dents. J'ai déjà posé la question. Ah, hein, des fois, on a des amis qui ont. Qui ont ils reviennent de, Du lunch puis ils ont du persil entre les dents. Puis là, on est gêné. Est-ce qu'on le dit ou on le dit pas? Hein, toi, le si du persil entre les dents, est-ce que tu veux le savoir? Ok, qui veut que les autres fassent hypocrite, leur hypocrite, comme si pas, puis que c'était pas tu que t'es l'air fou? En fait, c'est un acte d'amour de dire à quelqu'un Tu as du persil entre les dents. Et la Bible dit que quelquefois, nous avons pas du persil entre les dents, mais nous avons un péché entre le cœur et on a besoin d'un frère et d'une sœur qui nous avertissent avec amour parce qu'on a l'air fou, parce que les gens voient notre péché. Et la Bible dit en toute sagesse. C'est intéressant parce que deux fois, l'apôtre Paul va dire la sagesse, c'est l'application de la connaissance. Le problème, ton problème et mon problème, souvent de fois, ça fait un petit bout de temps que Jésus, ce n'est pas la connaissance, c'est la sagesse. Ce n'est pas qu'est-ce que tu dois faire, c'est comment le faire. Le problème des chrétiens, c'est la sagesse. On pourrait faire passer un quiz biblique, plusieurs t'auraient une très bonne note, mais tu as de la difficulté à le vivre. C'est pourquoi l'apôtre dit, c'est une question de sagesse. Quand tu dis à ton enfant, mets pas ta main sur le poil, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire. Pourquoi? Ce n'est pas un problème de connaissance, tu viens de lui dire. C'est un problème de sagesse. Qui ici, tu as déjà eu une panne d'essence, ta jauge d'essence, elle ping, 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 puis tu as tenté de battre le système? <laughs> Lève la main, c'est ça. Ça m'est arrivé aussi. C'est pas un problème de connaissance. Ça fait comme 20 minutes que ta voiture te dit ⁇ va mettre du gaz ⁇ toi, c'est un problème d'application. Euh, ici, à hein, qui... Les recettes aujourd'hui avec les recettes Ricardo, puis euh, hein? qui a déjà raté une recette de Ricardo Lève la main. C'est pas la faute de Ricardo là, c'est ta faute. <laughs> tout, tout est là, c'est pas un problème de connaissance, c'est un problème d'application. Maintenant, nous avons besoin des uns des autres pour nous aider à appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Puis ça, ça se fait. Vous savez, le dimanche, je te donne quelques applications, mais c'est surtout la connaissance. Je te donne les vérités bibliques. Pour moi, il n'y a rien de plus puissant qu'un chrétien qui prend un café avec un autre chrétien pour s'instruire et s'avertir réciproquement. Il y a quelque chose de spirituel. Maintenant, ce que je veux dire portant les membres que nous voulons, nous ne voulons pas que notre édification repose sur la grande assemblée seulement. Il y a une fonction, mais nous avons besoin des petits groupes et nous avons besoin des uns les autres. Quand tu prends un café, café, j'ai un acronyme pour toi parce qu'il y a des gens qui aiment ça. C A F-E-accent aigu, un mot d'origine italienne. C'est quoi l'acronyme? Quand on prend un café entre chrétiens, essentiellement, on peut parler de toutes sortes de choses, mais il doit toujours y avoir un moment donné où on parle comment appliquer fidèlement l'Évangile. Et ça, on le fait par reconnaissance parce que Jésus nous a tellement donné qu'on veut que les autres vivent la plénitude de Jésus. Et on continue. La deuxième chose, alors que nous sommes là tous les dimanches, nous venons à l'Église par reconnaissance. Et j'aimerais parler brièvement de l'importance de la réunion du dimanche. Vous savez, les premiers chrétiens se réunissaient tous les dimanches. L'apôtre Paul va dire même, c'est un commandement, lorsque vous réunissez le dimanche, premier jour de la semaine, on l'appelait même le jour du Seigneur. Et, et je sais que nous ne sommes plus sous la loi. Puis souvent, les chrétiens vont dire Ouf, Ouais, mais quand même, là, c'est. Moi, je travaille fort, je suis occupé, je ne peux pas toujours venir. Puis... Quand on réalise que le dimanche matin, c'est quoi? C'est une heure et demie, on va dire, maximum, dans notre semaine. Okay? Puis si tu as, as ton téléphone, tu peux le faire là, 24 fois 7 fois 24, qui est divise par 100. Ce qu'on vit ici, ce n'est même pas 1 de notre temps dans la semaine. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux juste dire que nous ne sommes pas de ceux qui commencent à minimiser l'importance de la maison. On ne culpabilise pas avec le culte du dimanche, mais on réalise que c'est fondamental à notre croissance spirituelle. Et moi, personnellement, je suis là pour te dire, oui, tu n'as pas le choix, c'est ta job. Mais même quand ce n'est pas ma job, je considère que le 1% du dimanche matin est aussi une reconnaissance pour l'énergie, la santé que le Seigneur me donne, le 99% autres Et lorsqu'on regarde, oui. Souvent, les gens vont dire Oui, mais, mais, mais je suis occupé. Je, je suis trop occupé. Donc, pourquoi je viens une fois sur deux, je viens. Plus je ne parle pas des gens malades, des gens, en fait, des, gens qui, des gens qui sont soit malades ou qui travaillent sur les chiffres. Je comprends ça. Mais des fois, des gens vont dire Oui, mais moi, je, je suis trop occupé cette semaine. On va faire un exercice. Prends ton téléphone, va dans les paramètres, va chercher où c'est écrit tant d'écran. Je veux pas être radical, mais si j'ai le temps d'écouter Netflix, j'ai le temps pour adorer Jésus le dimanche matin. <laughs> si j'ai le temps pour Facebook, j'ai. Je... Là, des gens vont dire Oui, mais, oh, mais Pastor mais j'ai pas besoin de ce 1 %-là pour démontrer à Jésus que je l'aime. Il sait qu'il est à 100 dans mon cœur. C'est difficile de dire de croire que Jésus a 100 de ton cœur quand il n'y même pas 1 de ton temps. C'était le, le point le plus difficile à passer. Euh, vous savez, des fois, les gens vont dire Oui, mais Jésus est toujours avec moi. C'est comme si j'ai une soirée d'amour avec mon épouse. Je dis hey, Je t'emmène au restaurant jeudi soir. Puis finalement, je l'appelle. Je dis Tu quoi, je ne peux pas. Je travaille, je fais du surtemps. » Il elle dit Bien là, tu me l'avais promis. Oui, mais en même temps, sache que même au travail, tu es dans mon cœur. Est-ce que ça va marcher? En, en fait, le problème, c'est parce que Jésus, tu sais, Jésus, on ne le voit pas. Puis. On, on le prend pour acquis. Hein, c'est des hommes qui s'en vont à la chasse, puis ils partent deux par deux. Puis euh, à un moment donné, il y en a un, il y a un, il y a un duo qui vont tuer un orignal. Puis, là, il tue le, puis en le ramenant, il y a un autre, Marcel, qui, qui il a un malaise, puis il dit je ne peux plus continuer, je ne peux plus continuer. Puis vous savez, pour ceux qui vont à la chasse, c'est que moi, moi ce qu'on m'a raconté, c'est que quand, par exemple, tu tues un orignal, ben, laisse-le pas là, parce que si tu le laisses là, quelqu'un va le prendre là. C'est tellement dur à voir. Donc. L'autre gars est là, puis là, t'as Marcel qui ne peut pas continuer, puis t'as l'orignal qui ne peut pas continuer aussi. <laughs> là, il, il doit choisir. Finalement, il revient au camp, les gars le voient revenir avec l'orignal. « Qu'est-ce que tu fais avec Il dit « Oui, Marcel. » Il dit oh, « Marcel, il a un malaise, comme 5 km plus loin. » Il dit « Mais pourquoi tu ramènes l'orignal, puis pas Marcel? » Il dit « ben je me suis dit que personne n'était pour voler Marcel. <laughs> » Pis des fois, on a la pensée comme, oh, c est, c est, personne ne va me voler Jésus. Il y a quelque chose de très, très, très fondamental, y a une vitalité spirituelle à être fidèle aux réunions du dimanche matin, ce que je peux entendre un amen. Puis on le fait par reconnaissance. Quand la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée, regarde le contexte, c'est toujours par reconnaissance. Ce n'est pas par obligation. Si tu viens parce que tu te sens coupable, par obligation, pour avoir quelque chose de la part de Dieu, rends-toi une faveur, viens pas, parce que tu ne le fais pas pour les bonnes raisons. Maintenant, quand on regarde, okay, il y a quelque chose de. Les gens vont dire, l'Église, souvent, on, on le banalise parce qu'on. Vous savez, on se réunit à tous les dimanches, puis souvent, on oublie même ce qui, ce qui a été prêché. Si je te demande, OK, quelles sont les dix prédications que j'ai faites qui ont le plus d'impact dans ta vie? Tu vas avoir de la misère à en trouver trois. Pourquoi? Je ne t'en veux pas. Si je te demande, OK, qu'est-ce qu'on a chanté il y a deux semaines? Souvent, parce qu'on va à l'Église à toutes les semaines, puis ce n'est pas marquant, ce n'est pas mémorable, ce n'est pas le réveil, c'est une bonne réunion ordinaire, spirituelle qui élève Jésus. C'est la routine, on continue, puis on ne réalise pas l'impact dans nos vies. Vous savez, moi, ça fait 25 ans que je suis marié. Mon épouse fait le souper à tous les soirs. Elle a fait au-delà de 10 000 repas. Si tu me demandes, c'est quoi le top 10 des repas qu'elle a fait? Je ben, ne même pas que j'ai mangé hier. Mais je suis reconnaissant parce que chacun de ces repas que j'ai oubliés m'ont gardé en vie. Je vais vous donner l'application. Vous savez, pour l'Église, nous sommes reconnaissants parce que même si pas, on ne s'en rappelle pas, chacune de ces réunions, chacun de ces cultes nous garde en vie spirituelle, nourrit notre foi. Et c'est pour ça que nous sommes reconnaissants. Et lorsqu'on vient à l'Église, c'est une déclaration également. J'ai entendu le témoignage d'une femme la sœur s'entend. Okay, elle a 100 ans, donc on fait un événement à l'église, puis elle est là, puis euh, écoute, c'est vraiment 100 ans, c'est quelque chose. Puis ça fait des années qu'elle est là, fidèle à l'église. Puis pendant, pendant, la, 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 pendant les festivités à l'église, son petit-fils lui pose la question, il dit euh, « Grand-maman, tu sais, alors que tu vois presque plus, tu presque plus, tu sais, pourquoi tu continues de venir à l'église à tous les dimanches? Tu sais, t es, t es, t es, t as de la misère à entendre la prédication, les chants, tu, tu vois, ne tu vois, tu vois, tu vois pas très bien, tu es comme… » Pourquoi venir à l'Église? Voici sa réponse. Elle dit J'aime Jésus de tout mon cœur. Il m'a demandé d'être fidèle le dimanche à l'Église et je veux que tout le monde sache dans quelle équipe je suis. Je suis dans l'équipe de Jésus. Il y a une déclaration spirituelle d'être là. Nous sommes dans l'équipe de Jésus. Est-ce que je m'entends à Amen à ça? Non seulement nous venons à l'Église par reconnaissance, nous prions pour notre Église. Avec reconnaissance en même cette semaine j'étais euh, à l'extérieur puis j'étais à quelques pasteurs de d'autres églises. Puis il y a des pasteurs qui montraient une application. Peut-être toi tu l'avais déjà vu où tu peux avoir, tu peux rentrer une requête de prière puis l'intelligence artificielle va te faire une prière à ta place. Oui. Puis moi je voyais ça puis je me disais Wow! » Puis moi je me sens pas menacé par l'intelligence, par l'intelligence artificielle. Mais l'apôtre Paul dit aux chrétiens que nous avons besoin de l'intelligence spirituelle. Et il y a des gens qui sont ici, tu as besoin d'apprendre ou de réapprendre à prier. Les gens autour de toi ont besoin de tes prières. C'est pourquoi Spurgeon disait Je préfère apprendre à une personne à prier qu'à dix personnes à prêcher. Pourquoi Parce que quand une personne prêche, c'en est une, mais quand nous prions, nous multiplions notre impact. Et au portail, je suis reconnaissant, je vous dis merci pour toutes les prières. Vous savez, il y a plein de combats, il y a plein de batailles que vous ne voyez pas. Mais l'équipe pastorale se sent soutenue par vos prières. Je sais que des gens prient pour l'Église. De la même manière que nous prions pour vous, vous priez pour nous. Et nous avons, et je vous dis très humblement en tant que pasteur principal, j'ai besoin de vos prières. Sans vos prières, je n'y arriverai, arriverai pas. Nous avons besoin des prières du peuple de Dieu. Et encore une fois, la prière, c'est tellement quelque chose qui peut sembler abstrait. OK, je ne te demanderai pas de lever la main, là, mais il y a plusieurs personnes ici, tu prends des médicaments tous les jours. Hein, tu prends des médicaments tous les jours. Puis quand, par exemple, tu as un virus ou tu prends des antibiotiques, on te dit que c'est important de prendre tes médicaments jusqu'au bout. Puis pendant quelques jours, tu ne vois même pas le résultat, tu ne sens même pas mieux. Mais tu le fais par la foi. Vous savez, les chrétiens, nous croyons que la prière est notre prescription quotidienne pour notre santé spirituelle. Alors que l'Église est un corps, nous sommes le corps de Christ, alors qu'il y a plein de virus, il y a plein de choses qui viennent attaquer l'Église. Nous avons besoin des anticorps de la prière. Donc, c'est pourquoi nous prions avec reconnaissance. C'est ce que Paul va dire d'ailleurs dans Colossiens. Si tu regardes Colossiens Colossien 4, verset 2, un petit peu plus loin, il va dire, Persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. Je continue. Nous donnons... Oh, parenthèse, parenthèse. À l'Église, nous avons une chaîne de prière. Est-ce que tu savais non. non. Pour ceux qui ne savaient pas, nous avons une chaîne de prière. C'est-à-dire, il y a des gens qui envoient des, des requêtes de prière. Requête singulière commerciale église-de-portail.com. Et il y a des gens, des dizaines de personnes du portail qui vont prier. Donc, des gens qui disent priez pour ma mère. On vient d'apprendre qu'elle a le cancer. Puis il y a des gens qui prient régulièrement, continuellement. L'équipe pastorale a plein de membres. Donc, c'est toujours possible de se joindre à cette, à cette chaîne de prière. Il y a une rencontre qui va avoir lieu dans deux semaines. Euh, si tu veux de l'info, écris à requête, à commercial, portailcom Mais même si tu ne t'engages pas formellement, nous avons besoin de tes prières régulièrement pour la santé de notre Église. Amen. Et je crois qu'une grande part du succès de notre Église, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui prient pour le portail. Et merci pour ça et gloire à Jésus pour ça. Amen. OK. Quatrième chose. Nous <coughs> donnons... Je vais prendre une gorgée d'eau. Nous donnons à l'Église par reconnaissance. Personne ne s'en OK. Juste parler brièvement et très, très concret sur l'importance des finances. Vous savez, nous ne sommes pas une Église qui mettons de la pression, qui en parlons régulièrement, on fait confiance à Dieu, on présente l'opportunité. Mais une fois de temps en temps, juste que tu comprennes, surtout des gens qui joignent au portail, est-ce que tu sais par dimanche matin. OK, si on vendait des billets au portail. Là. En fait, c'est vrai, moi, ça fait 25 ans que je suis pasteur et j'ai vu ça. ça les chiffres que je vais te donner se, se démontrent dans toutes les églises. Une église de 100, une église de 1000, peu importe. Est-ce que tu sais, si on vendait des billets, combien ça coûte simplement par personne pour un dimanche comme celui-ci? Je te dis pas la valeur réelle, je te dis le coût 20 par personne. Maintenant, on ne croit pas que ce serait une bonne chose de vendre des billets de 20 pour venir à l'Église. Donc, 20 par année, par personne qui vient à l'église, si par exemple tu viens à l'église régulièrement, par année, ce que ça coûte à l'église pour offrir le bâtiment, les services, tout ça, c'est 1 000 par personne. Si par exemple vous êtes un couple avec deux enfants, et là je donne les chiffres, là, vous pouvez, vous pouvez, tout ça est vérifiable, c'est 4 000 que ça coûte pour pouvoir offrir des services. Maintenant, multiplie ça par 2000 personnes, ça donne une idée des besoins. Maintenant, quand on regarde, souvent les gens vont dire Oui, mais pourquoi donner Pourquoi donner La réalité, c'est qu'il y a des gens qui nous visitent. Il y a des nouveaux, il y a des gens qui ne sont pas capables de donner. La réalité du monde qui va dire Mais moi, par exemple, OK, pasteur, si ça coûte 1000 dollars, je vais donner mon 1000 dollars. je suis correct, ma conscience est tranquille. Mais ce n'est pas ça que le chrétien est appelé à faire. Le chrétien nous sommes appelés ensemble à souvenir aux besoins pour que des gens qui ne sont pas capables de souvenir aux besoins de l'Église. Est-ce que je peux en amène à ça Est-ce que tu savais c'est quoi les statistiques Ok, la Bible parle d'un principe au niveau des finances personnelles qui est la dîme. C'est pas une obligation, c'est un target. C'est comme, parce que souvent les gens se disent, comment savoir si je suis trop généreux <laughs> Comment savoir La Bible parle d'un concept, c'est la dîme. C'est-à-dire 10 de tes revenus pour l'œuvre de Dieu. C'est un target biblique et plusieurs personnes, si tu donnes au-delà de ça. Maintenant, les statistiques nous disent qu'en 2023, il y a seulement 5% des chrétiens qui adhèrent au principe de la Bible. Quand on regarde les chiffres, et j'en ai quelques-uns ici, euh, tu as 15% des chrétiens qui sont, euh, qui sont en bas de ça. Merci. Tu as 50% des chrétiens qui disent qu'ils payent leur juste part, c'est-à-dire le 1 000$, que tu donnes d'un 2% de tes revenus. Et 50% des chrétiens, euh, 30% des chrétiens ne donnent rien. Donc la réalité. Moi, je veux juste t'encourager. Si tu crois que cette église fait l'œuvre de Jésus, est-ce que tu peux considérer soutenir financièrement ton église locale, selon ce que le Seigneur dépose sur ton cœur Il y a des gens, ça a pris du temps de j'applaudis, mais dans mon cœur, j'applaudis pas. Et vous savez, des fois, vous savez, les finances, c'est comme le reste. Vous savez, dans, dans la progression, on apprend euh, tranquille. Tu sais, on commence dans la prière un petit peu, puis on grandit, on grandit. Puis dans toutes les facettes de notre vie, on progresse. Et ça devrait être la même chose. Moi, je te défie. OK? La Bible ne dit pas de, de voici, donne tel montant, c'est des pourcentages. Nous l'avons fait, mon épouse et moi, on a commencé avec un pourcentage, puis on a augmenté, on a augmenté, on a augmenté. Aujourd'hui, nous donnons minimum 10 de nos revenus. Pourquoi? Parce que c'est un principe par reconnaissance. La Bible dit. Dieu aime celui qui donne avec joie. Le mot pour joie, c'est quoi? En grec, c'est le mot qui a donné hilarité. Dieu aime celui qui donne en étant crampé, en étant hilar, en se tapant sur les cuisses. Voyons, quelle sorte de malade va faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y, 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 y a quelque chose de logique derrière ça. Parce que le chrétien qui donne à Dieu, il ne voit pas comme une perte. Tu vois pas le 10 que tu donnes, tu vois le 100% que Dieu te donne, c'est le meilleur deal sur la planète. Donc, peut-être t'encourager, peut-être prier, dire, OK, on va mettre une cible. L'important, c'est entre toi et Dieu. C'est juste que tu as besoin de mettre tes finances également sur la Seigneurie de Jésus. Si tu ne crois pas que cette Église fait l'œuvre de Jésus, garde ton argent. Garde ton argent. Vous savez, quand je donne ma dîme, je ne donne pas à l'Église. Je donne pour l'œuvre de Jésus. Parce que je sais qu'avec ça, l'Église fait avancer la mission de Jésus afin que des gens viennent à Jésus, afin que tranquillement nous puissions dépeupler l'enfer, implanter des églises, et que le royaume de Dieu avance et que Jésus soit glorifié. C'est pour ça que nous donnons. Puis là aussi, des fois, c'est un peu comme avec le temps, c'est une question de priorité. Il hein, y a un homme qui, qui dit à son pasteur, il dit, Pasteur, il dit, Moi, j'ai un, 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 une église rurale, dis-moi, j'ai deux veaux. Ce que je vais faire, je vais les engraisser, puis je vais les vendre. Puis il y a un veau, ça va être le veau du Seigneur, donc je vais donner l'argent à l'Église pour l'œuvre de Jésus, puis l'autre, ça va être mon veau, puis bon. Fait que là, l'homme engraisse ses veaux, puis un dimanche matin, il arrive à l'Église, la face toute défaite. Le pasteur lui dit Mais qu'est-ce qu'il y a Il dit Il est arrivé un malheur cette nuit, il dit J'ai un des deux veaux qui est mort. Il dit Le veau du Seigneur est décédé. <laughs> Vous savez, peut-être un petit, petit truc. Chère de une des choses que mon épouse et moi on a appris, je parle, je commence par prier, fixe un pourcentage. Parce que vous savez, 100 personnes pour des gens ici, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est pas beaucoup. Donc, c'est en proportion de ce que Dieu te donne, l'or et l'argent m'appartiennent du Seigneur, et d'augmenter. Vous savez, quand vous allez au gym, vous faites quelque chose, vous commencez avec 10, des 10 livres, vous allez avec des 15 livres, des 20 livres, vous augmentez. Financièrement, c'est la même chose, mais un des trucs que je vous donne, faites-le au début, pas à la fin. J'ai essayé de le faire. Est-ce que je suis seul qu'il ne me reste jamais d'argent au bout? Est-ce que du monde, tu as fini, tu as ta paye, puis deux semaines après, tu dis, "Ben voyons donc, il reste tellement d'argent, à quoi faire avec tout cet argent? <laughs> les choses prioritaires doivent être en premier. Sinon, il y a d'autres choses qui, les besoins urgents, vont prendre la place. Et c'est là que c'est important de distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est vraiment important. Donc, nous donnons à l'Église par reconnaissance. Je pense qu'on en amène à ça. Et je termine. Nous servons à l'Église par reconnaissance. Là aussi, je parlais de 75 bénévoles qui, qui, qui font rouler le portail à chaque dimanche. Et, et merci pour eux. Et là aussi, il y a des gens que tu ne comprends pas parce qu'ils disent Mais il y a tellement de monde. Euh, vous savez, quand on déménage, puis suis, il y a plusieurs personnes, tu vas t'identifier, vous savez, quand on fait un déménagement, c'est quoi le plus lourd? Oui. Ça, c'est comme un meuble qui est… Le frigo. Le frigo. Puis la prochaine fois que vous allez voir un déménagement, regardez, ça arrive toujours. OK? Tu as le frigo. Puis généralement, tu as deux hommes. Puis bon, tu parles, de deux femmes. Là. Je ne pas être… Euh... OK, peu importe, là. Nous sommes dans des temps nouveaux. Deux personnes, OK? Qui <laughs> tiennent le frigo. Puis là, tu es là. Puis c'est vraiment lourd. Puis tu la charge. Puis tu as toujours quelqu'un qui fait semblant de le tenir sur le côté. Ah, qui est là comme, puis, puis la preuve qu'il sert à rien, c'est qu'il se promène. Puis toi est là, puis c'est comme, il est là mais, mais il ne prend pas la charge. Nous ne croyons pas encore une fois, nous croyons qu'un membre au portail, tu dois prendre la charge. Parce que si tu la prends pas, dis-toi qu'il y a des gens qui sont fatigués autour de toi. Quand je parlais de ce 20%, merci Seigneur, mais je veux juste te dire qu'il y a un 20% qui est très fatigué. Et plus que nous avons de serviteurs, plus que la charge est répartie, et plus que c'est facile pour tout le monde. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Amen. Une des raisons pourquoi on est impliqué, puis il y a plein de domaines, là, je l'applique à quelque chose de très précis, mais nous servons pour, parce qu'on sert le peuple de Dieu. Vous savez, des gens qui sont ici, là, il y a du monde qui ont même plus d'enfants. Il y a du monde qui travaille même des fois dans des garderies, qui le dimanche s'occupe de tes enfants à toi. Il y a du monde qui, lorsqu'il fait moins 30, puis ça s'en vient, les amis, préparez-vous. Jésus revient et l'hiver revient, OK? Il y a des gens qui sont dehors à moins 30. Pourquoi? Parce que le frère aime ça, le froid? Non. Pourquoi des gens servent? Pourquoi des gens des gens, des bénévoles qui arrivent ici à 7h30, qui vont partir à 2h, des gens qui donnent leur dimanche? Je ne veux pas te faire pleurer, je veux juste te faire réaliser qu'il y a des gens qui croient tellement à la cause du Seigneur, qui se donnent. OK, qui perdent leur dimanche pour te servir, toi. Puis un des problèmes souvent dans l'Église, c'est qu'on a l'impression qu'on entend des besoins, mais que quelqu'un va le faire. Hein? Ceux qui ont des enfants, là, je te défie, fais un test. Prends un verre. Mets-le dans plein milieu du salon. Il va être là dans un mois. <laughs> Pourquoi? Parce que tout le monde se dit que quelqu'un va le faire. Maintenant, cette mentalité-là cette mentalité n'est pas chrétienne. Je vais y arriver. Euh, on ne se dit pas un autre va le faire, on dit Seigneur, tu te sers de moi pour le faire, est-ce que je peux entendre amène à ça? Amen. Puis juste rappeler aussi quelque chose que j'ai déjà dit. Et là, je parle à des chrétiens matures, des membres, des gens qui aiment Jésus. Des gens disent Oui, mais je comprends, moi, je suis fatigué, je suis fatigué, mais les, tous nos bénévoles travaillent 40 heures, là, en majeur, bonne partie, la bonne partie. Puis souvent, on, on est incohérent si on est à l'Église, si on, on élève Jésus, on prie Jésus, on entend la parole de Jésus, mais on néglige le corps. On hein, l'a déjà dit. Tu ne peux pas dire à ton épouse, j'aime ta tête, mais pas ton corps. Sinon, on fait tes funérailles. <laughs> Puis, on ne veut pas être ce genre de chrétien qui élève la tête dans la louange, dans la prière, mais il qui, qui, y a le corps de Jésus qu'on doit, doit se servir les uns les autres. Et je veux dire également à plusieurs personnes qui joignent à nous, la meilleure manière de t'intégrer, c'est de servir. Je le répète pour ceux qui étaient dans l'une la meilleure manière de t'intégrer, c'est de t'impliquer. Alors, ce que, on fait, on a toujours l'analogie du corps. Par exemple, si tu as besoin d'une transplantation d'un poumon, okay, je vais dire quelque chose de biologiquement fondamental. Okay, on te fait une grève du poumon. On ne va pas te dire prends le poumon dans ta petite valise, va-t'en à la maison, puis ça va prendre tout seul. Quelque chose de très, très logique où le poumon doit être collé au corps. Il y a des gens, tu t'es joint au portail, mais tu dois te coller au corps. Une des manières de t'intégrer, c'est de t'impliquer. Et alors que l'équipe de louange vient me rejoindre, pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi c'est important? Parce qu'on veut une église qui est en capacité, qui est capable d'accueillir des gens qui viennent pour la première fois, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. On le fait non seulement pour servir le Seigneur, pour servir les frères et les sœurs, mais pour servir les visiteurs. Vous savez, je l'ai déjà dit, quand on reçoit de la visite, quelle bénédiction, mais quel travail! À Une journée où tu reçois de la visite, c'est une journée de ménage, c'est une journée de commission, une journée de cuisine. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Oui, c'est du travail, mais on le fait pour être de bons autres, pour bien accueillir nos visiteurs. Servir à l'Église, oui, c'est plus de travail que de rester assis. Mais on regarde, c'est quoi le but ultime? C'est de bien accueillir nos visiteurs, qu'ils viennent et que tout soit propice à ce qu'ils entendent la bonne nouvelle de Jésus. Et nous croyons que par notre petit service, il y a des gens dont la destinée éternelle est changée, qui passent de la mort à la vie à cause de la petite part que chacun on fait ensemble. Le Seigneur utilise ça et sauve des gens encore aujourd'hui en 2023. Est-ce que je peux entendre un vrai « Amen, Amen. » En terminant, en terminant, en terminant, en terminant. Donc, quand on regarde ce texte-là, il y a quelque chose de très informel, quelque chose de très formel. Nous voulons des membres qui vont œuvrer des membres qui vont être assidus, qui vont prier, qui vont donner, qui vont s'impliquer, mais par reconnaissance. Je réitère, c'est possible de faire tout ça pour les mauvaises raisons. En fait, ce matin, ma préoccupation, ce n'est même pas ton service, ce n'est même pas tes prières, ce n'est même pas ton argent. Ma préoccupation pastorale première, c'est ton cœur. Parce que tous ces éléments-là révèlent le cœur. Jésus a dit là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ce qu'on fait pour les autres révèle notre cœur. Des fois, on peut faire les choses par culpabilité. Ce n'est pas l'Évangile. On ne veut pas ça au portail. On peut faire les choses par orgueil, pour montrer qu'on est un chrétien. Ce n'est pas l'Évangile. On ne veut pas ça au portail. On peut faire les choses pour mériter. On peut être à l'Église parce qu'on veut la faveur de Dieu. Non, on ne fait pas ça au portail. On veut le faire par reconnaissance. Pourquoi? Parce que Jésus nous a sauvés, guéris et restaurés. J'aime l'image que l'Église est un hôpital spirituel. On vient à l'Église. Et Jésus le dit, hein, ce n'est pas les, ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin. Alors que par nature, nous sommes tous malades spirituellement. L'Église est un hôpital. Et je veux m'adresser à des gens qui, qui sont avec nous depuis peu. C'est correct. Il y a beaucoup de choses qui ne ça, ça s'adressent pas à toi. Viens ici, sois restauré, sois guéri. Il y a des gens qui arrivent de d'autres églises, tu as été complètement brûlé. Puis on comprend que l'Église est un hôpital spirituel. Puis il y a des gens, tu viens d'un endroit, où on t'a mis tellement de pression, tellement de pression pour sortir le jus, t'es comme, t'es complètement épuisé. Puis non, l'Église est un, un hôpital. Prends le temps, reçois. Puis vous savez, il y a des gens qui peuvent être ici pendant dix ans sans jamais s'investir, donner quoi que ce soit. Ils vont toujours être les bienvenus. Je parle à ceux qui veulent être de véritables disciples de Jésus. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'être guéris. C'est correct, il n'y a pas de pression. Par contre, il y a des gens qui sont ici, Jésus t'a guéri. Jésus t'a restauré. Et c'est comme si tu vas à l'hôpital, tu as un accident, tu es là une semaine, le médecin vient te signer ton congé. Puis à la fin de la journée, l'infirmière passe, puis euh, tu es encore dans, dans ton lit. Elle dit mais Vous avez eu votre congé? Tu dis ouais, mais j'aime ça ici, ça ne coûte pas cher. J'aime ça parce que j'ai un lit puis je n'ai pas de ménage à faire, j'ai trois repas par jour, tu sais, l'inflation, ça coûte cher, l'épicerie. On va dire, mais monsieur, madame, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut laisser votre place à quelqu'un qui a besoin. Et à l'hôpital, essentiellement, tu as deux types de personnes, tu as le personnel et les malades. Et vous savez, on arrive à l'église malade, et Jésus nous guérit pour servir ensuite. Tu peux rester, puis tu peux être nourri, puis à toutes les semaines, puis tu peux, tu peux. Mais si Jésus t'a guéri, si Jésus t'a sauvé, de grâce, par reconnaissance, réalise qu'il le fait afin qu'à ton tour tu puisses servir les autres. Parce que d'autres ont servi afin que toi tu sois touché. C'est ça l'Évangile. Alléluia. C'est la parole de Dieu pour ce matin.